Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao canal Caixa Vazada. Com este clipe damos continuidade à playlist que tem por base uma fala de Baudrillard relativa à violência. Neste vídeo em particular nós vamos tratar, com base obviamente em Baudrillard, da questão da violência feita às imagens. Para dar um rápido overview do que trata esse segmento de vídeo, esse corte, a tese que me parece mais importante de Baudrillard é que na passagem da produção da imagem analógica para digital, observa-se uma espécie de perda de referência daquilo que seria antigamente o objeto da imagem, não? Então, diferentemente da imagem analógica que dava notícia de uma ausência, no mundo onde tudo se virtualiza, a imagem passa a ter um mero valor de exposição. O valor da imagem é colocar-se em movimento e, de alguma forma, integrar um fluxo de informações. E, portanto, ela, ao invés de dar notícia de uma ausência, ela relata uma presença que não tem substância, propriamente dita, porque ela não está, em sentido estrito, remetida a um referente de origem. Ela é mero ato, a imagem, na contemporaneidade, mero ato de produção de imagem e exposição dessa imagem. E, de alguma forma, todos nós acabamos servindo a esse modelo de produção de imagem que é próprio da contemporaneidade. Bom, gente, é isso. Espero que vocês gostem desse corte. Ele é muito interessante e muito instigante. Grande abraço para todo mundo. Até uma outra oportunidade. Tchau, tchau. En même temps que de la violence de l'image, la source de la violence faite à l'image. Tout ce qui est visualisé là dans une opération comme Big Brother, enfin ça c'était la première émission Reality Show, mais c'est valable pour toutes les autres, tout ce qui est visualisé là, c'est une réalité virtuelle, une image de synthèse de la réalité. Transposition de everyday life, quoi, elle-même déjà traitée selon des modèles dominants. Est-ce qu'il s'agit d'une sorte de voyeurisme pornographique? Non. Ce dont les gens veulent profondément, ce n'est pas du sexe, c'est du spectacle de la banalité qui est aujourd'hui le véritable porno, la véritable obscénité, celle de la platitude, de l'insignifiance et de la nullité, qui est comme une parodie de l'extrême inverse qui aurait été le théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud. Mais peut-être y a-t-il là pourtant une forme particulière de cruauté, du moins virtuelle. À l'heure où la télévision est de plus en plus incapable de livrer une image des événements du monde, elle en vient à désocculter la vie quotidienne, la banalité existentielle, comme l'événement le plus meurtrier, comme l'actualité la plus violente, comme le lieu même du crime parfait. Et elle l'est, en effet. Et les gens sont fascinés. Les gens, je dis, c'est vous, c'est moi, hein, c'est tout le monde. Terrifiés et fascinés par l'indifférence de ce rien à voir, rien à dire, par l'indifférence du même, de leur existence même. Ce n'est donc plus une métaphysique du crime et du sexe, c'est une sorte de pataphysique du crime parfait, assomption de la banalité comme destin, comme le nouveau visage de la fatalité. Contre-transfert illustré par le fait qu'ils sont devenus Big Brother. Il y a une sorte de perfusion du surmoi dans la masse. La contemplation du crime parfait, de ce crime parfait, la banalité, de cette perpétration de la banalité, est devenue une véritable discipline olympique, ou le dernier avatar des sports de l'extrême, peut-on dire. Au fond, tout cela correspond au droit et au désir imprescriptible de n'être rien et d'être regardé en tant que tel. Il y a deux façons de disparaître. Ou bien on exige de ne pas être vu, c'est toute la problématique actuelle du droit à l'image, ou bien on verse dans l'exhibitionnisme délirant de sa nullité. On se fait nul pour être vu et regardé comme nul. C'est l'ultime protection contre la nécessité d'exister et l'obligation d'être soi. D'où l'exigence contradictoire et simultanée de ne pas être vu et d'être perpétuellement visible. Tout le monde joue sur les deux tableaux à la fois et aucune éthique
ni législation ne peut venir à bout de ce dilemme, c'est-à-dire celui du droit inconditionnel de voir et celui tout aussi inconditionnel de ne pas être vu. L'information maximale fait partie des droits de l'homme, donc aussi la visibilité forcée, la surexposition aux lumières de l'information. Et le pire dans ce jeu télévisuel interactif, entre guillemets, c'est le partage forcé. C'est cette complicité automatique du spectateur, de nous tous les spectateurs, qui est en quelque sorte l'effet d'un véritable chantage. Et c'est là l'objectif le plus clair de l'opération. C'est une sorte de servilité volontaire, celle des victimes jouisseuses du mal qu'on leur fait, de la honte qu'on leur impose. Le partage par toute une société de son mécanisme fondamental qui est l'abjection interactive consensuelle. Ceci, involontairement, est tout à fait illustré par toutes ces dernières images qu'on a pu voir des prisons de Bagdad. Ainsi, tout finit dans la visibilité, qui est comme la chaleur dans la théorie de l'énergie, la forme la plus dégradée de l'existence, mais ce qui est nouveau dans toute cette histoire, c'est de réussir à faire de cette perte de tout espace symbolique, de cette forme extrême de désenchantement de la vie, d'en faire un objet de contemplation, de sidération et de désir pervers. Comme disait Benjamin, l'humanité qui jadis avec Homère avait été objet de contemplation pour les dieux olympiens, l'est maintenant devenue pour elle-même. Son aliénation d'elle-même par elle-même a atteint ce degré qui lui fait vivre sa propre destruction comme une sensation esthétique de premier ordre. L'expérimental prend ainsi partout la place du réel et de l'imaginaire. Partout, ce sont les protocoles de la science et de la vérification qui nous sont inoculés, et nous sommes en train de disséquer, en vivisection, en quelque sorte, sous le scalpel de la caméra, la dimension relationnelle et sociale, hors de tout langage et contexte symbolique. Donc, tout ce qui est de l'ordre du secret doit tomber dans le domaine du visible, du forcément visible. Il y a eu jadis, vous n'avez peut-être pas vu, un film qui s'appelait Leaving Las Vegas, où on voyait une jeune femme blonde pisser tranquillement, continuant de parler, indifférente à ce qu'elle dit et à ce qu'elle fait. Scène parfaitement inutile, mais qui signifie ostensiblement que rien ne doit échapper au fondu enchaîné de la réalité et de la fiction. Que tout est justiciable d'un donner à voir, d'un prêt à voir, d'un prêt à jouir. Et c'est ça la transparence. C'est forcer tout le réel dans l'orbite du visuel, qui n'est plus exactement de la représentation. Obscène est tout ce qui est inutilement visible, sans nécessité, sans désir et sans effet. Ce qui usurpe l'espace si rare et si précieux des apparences. Le loft, par exemple, enfin tout ce concept de loft est devenu une sorte de concept universel aujourd'hui dans les médias, condensés de parcs d'attractions et de camps de concentration, on ne sait pas, de huis clos et d'anges exterminateurs. La différence, c'est que ce n'est ni de la fiction ni de la réalité, c'est expérimental, c'est le laboratoire d'une convivialité expérimentale, d'une socialité, je dirais, télégénétiquement modifiée. En cela, le loft est semblable à Disneyland, qui est un microcosme artificiel qui donne l'illusion d'un monde extérieur réel, alors que les deux sont exactement à l'image l'un de l'autre. Si on prend Disneyland, par exemple, tous les États-Unis sont Disneyland, et pas seulement eux. Nous sommes tous dans le loft. Pas besoin d'entrer dans ce double virtuel de la réalité, nous y sommes déjà, et il n'y a plus de distinction ni de discrimination. L'art non plus ne fait plus exception. Il est en quelque sorte aujourd'hui en immersion ou en submersion, interactif, interface, même s'il mime la différence et se donne en spectacle. Cela veut dire que nous sommes tous d'ores et déjà, jusque dans la vie la plus quotidienne, dans une situation de réalité expérimentale, nous sommes d'ores et déjà des images de synthèse socio-génétiquement modifiées. C'est un double meurtre symbolique, en quelque sorte. Aujourd'hui, d'une part, tout prend forme d'image, le réel disparaît sous la profusion des images, ça, on le dit partout, mais on oublie que l'image, elle aussi, disparaît sous le coup de la réalité.
L'image est la plupart du temps dépossédée de son originalité, de son existence propre en tant qu'image, et vouée à une complicité honteuse avec le réel. C'est là où je viens au titre même, la violence faite à l'image. Car la violence qu'exerce l'image est largement compensée par la violence qui est faite à l'image. Son exploitation, afin de documentation, de témoignage, de messages, y compris les messages de misère et de violence, son exploitation à des fins morales, pédagogiques, politiques, publicitaires. Là prend fin, en quelque sorte, le destin de l'image, à la fois comme illusion fatale et comme illusion vitale. Les iconoclastes de Byzance, dans la fameuse polémique, voulaient détruire les images pour en détruire la signification. Aujourd'hui, sous l'apparence du contraire, nous sommes toujours des iconoclastes. Nous détruisons les images, mais d'une autre façon, en les accablant de signification. Nous tuons les images par le sens. Il y a dans Borges une fable qu'il intitule « Le peuple des miroirs », l'idée que derrière chaque ressemblance ou représentation, il y a un ennemi vaincu, une singularité défaite, un objet mort. Et les iconoclastes l'avaient bien vu, qui pressentaient dans les icônes une manière de faire disparaître Dieu. Mais peut-être Dieu lui-même avait-il choisi de disparaître derrière les images. Aujourd'hui, de toute façon, ce n'est plus Dieu, c'est nous qui disparaissons derrière nos images. Plus de danger qu'on nous vole notre image, qu'on force notre secret, car nous n'en avons plus. Nous n'avons plus rien à cacher. C'est là à la fois le signe de notre ultime moralité et de notre totale obscénité. La plupart des images médiatiques ou photographiques actuelles ne reflètent plus que la misère ou la violence de la condition humaine. Or, cette misère et cette violence nous touchent d'autant moins qu'elles sont sursignifiées. Nous sommes indifférents par rapport à ça, et il y a là un contresens total. Pour que le contenu d'une image nous affecte, il faut que l'image existe par elle-même, qu'elle nous impose sa langue originale, encore une fois plus importante que ce dont elle parle. Pour qu'il y ait transfert sur le réel, c'est-à-dire sensibilisation au réel à travers l'image, il faut le contre-transfert de l'image et qu'il soit résolu. Aujourd'hui, on voit la misère, la violence partout devenir à travers les images un leitmotiv publicitaire. Même Toscani, par exemple, réintègre dans la mode le sexe, le sida, la guerre, la mort. Pourquoi pas d'ailleurs, la publicité faite au malheur n'est pas moins obscène ni plus que celle faite au bonheur, mais à une condition. Ce serait celle de montrer la violence de la publicité elle-même, la violence de la mode, la violence du médium, ce dont les publicitaires sont bien incapables. Or, la mode et la mondanité sont elles-mêmes en quelque sorte un spectacle de mort. La misère du monde est tout aussi lisible dans la ligne ou le visage d'un mannequin que dans le corps squelettique d'un Africain. La même cruauté se lit partout si on sait la voir. Cette image dite réaliste ne capte d'ailleurs pas ce qui est, mais ce qui ne devrait pas être. C'est-à-dire la mort, la misère, ce qui ne devrait pas exister du point de vue moral et humanitaire. Bon, en même temps, elles en font un usage esthétique et commercial parfaitement immoral. Mais enfin, ces images témoignent au fond, derrière le prétendu objectivité, d'un désaveu profond du réel, en même temps que d'un désaveu de l'image assigné à représenter ce qui ne veut pas l'être, assigné au viol du réel par effraction. Enfin, la dernière violence faite à l'image, c'est peut-être pas la dernière d'ailleurs, mais enfin, semble définitive, c'est celle de l'image de synthèse et de toutes les nouvelles technologies médiatiques du visuel. Là, on a une image surgie ex nihilo du calcul numérique et de l'ordinateur. Des photos ou des reportages retravaillés en laboratoire, inventés de toutes pièces. Alors là, c'en est fini de l'imagination de l'image. C'en est fini de son illusion fondamentale, puisque dans l'opération de synthèse, le référent n'existe plus et le réel n'a même plus le temps d'avoir lieu, étant immédiatement produit comme réalité virtuelle. C'en est fini, en quelque sorte, de cette prise d'image
c'est-à-dire de la présence immédiate à un objet réel dans un instant irrévocable, qui faisait l'illusion magique, par exemple, de la photo et de l'image en général, comme acting, comme événement singulier, une sorte de dernière lueur de réalité dans un monde voué à l'hyper-réel. Dans l'image virtuelle, il n'y a plus rien de cette exactitude ponctuelle, de ce punctum dans le temps, pour reprendre l'expression de Roland Barthes à propos de la photographie, de ce punctum qui est celui de l'image analogique. La photo témoignait, sous cette forme analogique, c'est-à-dire avec la distance du négatif, témoignait que quelque chose avait été là et ne l'était plus, donc d'une absence définitive chargée de nostalgie. Aujourd'hui, la photo donc, serait plutôt chargée d'une nostalgie de la présence, en ce sens que cette présence nous échappe, la réalité nous échappe, et qu'elle serait l'ultime témoignage d'une présence en direct du sujet à l'objet. Un défi, donc, quelque part, à cette déferlante numérique des images de synthèse qui nous attend, qui est là déjà, bien sûr. La relation à l'image, de l'image à son référent à la réalité, posait déjà bien des problèmes, tous les problèmes de la représentation, bien entendu, mais lorsque le référent a totalement disparu, lorsqu'il n'y a donc à proprement parler plus de représentation, lorsque l'objet réel s'est évanoui dans la programmation technique de l'image, lorsque l'image, pur artefact, ne reflète plus rien ni personne et ne passe même plus par le stade du négatif, est-ce qu'on peut encore parler d'une image? Nos images bientôt n'en seront plus, et la consommation elle-même en sera devenue virtuelle. Si l'image, comme dit Platon, est au confluent de la lumière venue de l'objet et de celle venue du regard, alors il n'y aura bientôt plus ni objet ni regard, et donc plus d'image. C'est là en quelque sorte une sorte de revanche ironique du réel sur l'image. L'image était le lieu de la disparition du réel, mais elle sombre à son tour sous le coup, alors là, du marché de l'image, bien entendu, de la spéculation, de la mode, sous le coup du principe économique et même sous le coup du principe esthétique de l'image.